Aujourd'hui, je me trouve à Homis. Ça se trouve à une petite demi-heure au sud de Split. Alors, c'est une toute petite ville du Moyen-Âge qui est entourée par de grands pans de montagne. Je suis ici pour faire une petite randonnée d'environ 2h30-3h. Un peu bizarre comme départ de randonnée. Pour être parfaitement sincère, c'est pas le truc absolu à faire ici en Croatie, et c'est pas non plus ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Mais pendant ce séjour, j'ai eu une assez mauvaise météo, ce qui fait que j'ai dû annuler pas mal de visites et d'activités. Oui, escalade en fait. Mais on va quand même grimper tout en haut pour aller voir les ruines du fort de Starigrad. Donc ça va être sympa. Bon, c'est bien indiqué, c'est déjà ça. Ça fait toujours plaisir, une petite randonnée. Il se trouve que le départ du sentier se trouve juste à côté de la vieille ville d'Homis, sur un parking juste après le tunnel. Donc ça, c'est si vous optez pour le côté difficile. Si vous êtes un peu moins aguerri, vous pouvez aussi monter par le côté facile. Et dans ce cas, le départ se trouve au bout de la rue principale de la vieille ville. Pour finir, il va falloir escalader les rochers. Bon, ça va, c'est faisable. Ça y est, je suis arrivé au sommet après 3 quarts d'heure de grimpette. Bon, ça monte quand même pas mal. Maintenant, je vais aller voir l'intérieur du fort. La vue est assez sympa, on distingue bien la plage. Mmh.
Alors Homis, c'est aussi le point de départ pour des promenades en bateau. Mais vous pouvez aussi faire de la tyrolienne, du rafting, de l'escalade ou simplement aller à la plage. La forteresse, elle a été construite pour combattre les Turcs au XVIe siècle. J'ai lu aussi qu'il y avait eu pas mal de combats ici entre les pirates de la région et les autres conquérants. Il y a deux chemins de rando pour venir ici. Un facile et un difficile. J'ai pris le difficile à l'aller. Donc, au retour, je vais prendre le facile. Ça, ça fait une boucle. Donc là, je redescends sur le versant opposé. Voilà, je suis arrivé dans la vieille ville. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine où je vais visiter notamment la vieille ville de Trogir. Voilà, ça va être assez cool.